Je m'appelle Maria Saveri, je travaille depuis 16 ans dans la petite enfance et je suis à la crèche Le Village depuis 2020, donc ça fait 4 ans bientôt. C'est quelque chose qui ça me passionnait. J'ai toujours su que je voulais travailler auprès des enfants. J'ai repris mes études beaucoup plus tard, à la quarantaine, après avoir élevé mes enfants. J'ai passé en CAP petite enfance. Quelques années plus tard, j'ai fait une validation des acquis, tantôt en VAE, pour devenir auxiliaire de périculture. Alors, c'était une façon d'évoluer dans mon travail, d'avoir de nouvelles responsabilités, bien sûr, mieux salaire aussi. C'est une façon aussi de me valoriser moi-même. Dans ce métier, il faut beaucoup s'investir. Il faut vraiment se laisser à la hauteur de l'enfant pour pouvoir les accompagner correctement. Alors effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir ce cliché de garde d'enfants dans les crèches, mais les professionnels de la petite enfance font beaucoup plus que du gardiennage. Elles sont là pour assurer l'éveil des enfants, elles proposent des ateliers d'éveil, elles observent également beaucoup les enfants et leurs besoins, pouvoir y répondre au quotidien. Elles sont également là pour leur proposer une sécurité affective. On accompagne les enfants, on accompagne les familles. Et on tend toutes vers le bien-être de l'enfant. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'empathie, beaucoup de connaissances aussi. D'être auprès des enfants, de les accompagner, de les voir évoluer, de pouvoir les aider dans cette évolution, que ce soit au niveau moteur, ou que ce soit voilà, à tous les niveaux. Hein. C'est vraiment une passion, disons. Je ne voudrais pas faire autre chose.